Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique simple pour peindre un arbre, notamment son feuillage. Je passe rapidement sur comment peindre le tronc et les branches. Je vous mets le lien de la vidéo qui en parle dans le i comme info. Le squelette de l'arbre terminé, je laisse sécher avant d'habiller cet arbre. Pour peindre le feuillage, je vais utiliser un vieux pinceau avec les poils un peu écartés, assez durs. Alors ici, c'est des poils en soie de porc. Tout ça pour obtenir un effet moucheté. Question couleur, je commence par un mélange de vert de vessie, bleu marine et terre d'ombre brûlée, ou du noir, pour avoir un vert très foncé. Je peux maintenant appliquer cette première couche en tapotant légèrement mon pinceau, en veillant à toujours avoir les poils un peu écartés après l'avoir chargé en peinture. N'hésitez pas à faire un test sur un papier ou autre juste à côté pour trouver le bon geste, la bonne pression. J'habille donc les branches de mon arbre avec cette première couche, sans pour autant tout recouvrir. Je laisse sécher quelques minutes, et je peux maintenant passer à la deuxième couche avec un vert moyen, que je vais appliquer de la même manière, avec le même geste, le même pinceau, en laissant visible une partie de la couche précédente. Petit conseil, n'utilisez pas les couleurs directement sorties du tube pour obtenir des verts plus naturels. Il y a beaucoup de possibilités de mélange pour obtenir des verts, par exemple, ajouter une pointe de noir à du jaune, vous aurez du vert kaki. Ajouter du jaune ou du bleu à vos verts pour les rendre plus vifs ou plus sombres, mais également des couleurs terre ou des touches de blanc. L'important est qu'il y ait une cohérence entre les différents verts de vos couches successives. Encore une fois, laissez sécher, puis passez une nouvelle couche avec un vert plus clair, toujours en laissant en partie visible les couches précédentes. Je passe une dernière couche avec mon vert le plus lumineux. Bien sûr, les couleurs vont dépendre de la lumière, de la saison, de l'ambiance que vous souhaitez donner, ou encore de l'arbre en lui-même. Comme vous pouvez le voir, je peux répéter l'opération pour avoir un arbre plus fourni. Ça me permet de vous rappeler les différentes étapes. Premièrement, une fois le tronc et les branches en place, je pose la première couche de mon feuillage avec un vert très foncé en laissant des trous, avec un vieux pinceau en tapotant pour un effet moucheté. Laissez sécher quelques minutes entre chaque couche. 2. J'applique de la même façon un vert moyen en laissant visible la couche précédente sur chaque bouquet de feuilles. 3. Avec un ou deux verts plus clairs, je répète l'opération toujours en laissant visible une partie des couches précédentes. Suivant la direction de la lumière, on peut peindre plus ou moins d'un certain côté. Si vous voulez avoir un côté de votre arbre plus à l'ombre, chaque valeur doit être un peu en dessous de celle du côté le plus lumineux. Ou vous pouvez par exemple appliquer 4 verres du côté lumineux et seulement 3 dans celui à l'ombre. Ancrez bien votre arbre dans votre paysage en peignant des herbes à son pied et en plaçant son ombre. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre feedback dans les commentaires et avec le petit pouce. A très bientôt pour une prochaine vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater. Salut !